Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on joue à Until We Die. Alors, on doit survivre parce que, vous voyez, au fond, des extraterrestres ont attaqué la Terre et on doit se réfugier dans le métro afin de survivre et peut-être combattre les extraterrestres. On va découvrir ça tous ensemble. Moi, j'ai vraiment lancé le jeu pour voir s'il tournait. Je sais pas du tout... je connais pas du tout l'histoire, je connais rien. On va vraiment le découvrir ensemble. Et c'est parti. On appuie sur espace. Donc là, on a vu que les extraterrestres étaient... était en haut, et là maintenant, le jeu va commencer. Alors vraiment, on découvre tout ensemble. Alors, Ivan Ivanovich Tolstoy, 58 ans, il habite à Moscou. Alors, après un long service, il a quitté l'armée, a concentré sur... Ok, c'est un chasseur professionnel. Il a tir puissant, ce qui est pas mal, je pense. Toutes les cinquièmes balles... Elles sont explosives, toutes les cinquièmes, c'est pas mal, ça. Ok, et elle, bon appétit. Régénère l'endurance quand elle ramasse... Ok... D'accord, j'ai l'impression qu'on me laisse pas trop le choix. Donc on va laisser... Alors, configuration du jeu. Les éclairs ont confirmé l'intégrité du puits de ventilation de la station Elektrozadovskaya. Il était décidé de prendre possession de cette zone et d'utiliser la mine pour livrer du ravitaillement depuis la surface. Votre tâche est de rétablir l'alimentation électrique de la station et de survivre pendant 28 jours. Ah ouais, quand même. Avant l'arrivée de nos forces principales. Bonne chance, commandant. Ok. Eh ben pourquoi pas. Scénario on va laisser, mode de difficulté on va laisser normal, on va continuer. Alors vraiment comme je vous ai dit, on va tout découvrir ensemble. Alors, est-ce pour passer le tutoriel? Non. On va le laisser quand même. Alors, échappe pour continuer. Commandant, nous arrivons. D'accord, on va le laisser. Ah bah ça va, c'est bien. Ça commence bien. Pouvez-vous m'aider? J'ai besoin de ferraille pour réparer la draisine. Ok, donc on peut se déplacer avec U et D. S invoqué, qu'est-ce que c'est? D'accord. W, donner l'ordre de pied des caisses. Alors W c'est S, ok. Allez fouiller. Ah ok, espace on tire. R, on recharge, ok. Est-ce qu'on peut s'accroupir ou pas? Ça c'est quoi? Ok, ça c'est le sprint, shift, ok. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu vas où? Reculer. Tu commences à reculer. Attends. W payer. D'accord. Alors attends. Ah ok, là j'ai eu de la ferraille. 2. Ok, là j'en ai 3. On voit en haut à gauche. La draisine est prête à repartir. Je reviendrai demain avec des renforts. Ok. Tout d'abord, mettons en service le générateur. D'accord. Réparer pour 3. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez me fouiller ça? Ils peuvent ou pas? Non. Ordre de réparer. Ils le font, on va juste attendre. Est-ce qu'ils peuvent venir avec moi? Non. Réparer, mais c'est bon, non? On va attendre. Le générateur est en service, nous pouvons équiper notre camp. Ok. Très bien. Nous devons maintenant renforcer nos défenses en construisant un mur. Ok. Logique. Alors, on va y aller. Tiens, pille-moi ça. Alors, hop, voilà, pille-moi ça aussi. Ah, ça met du temps quand même, hein. Alors, attends. W, hors de construire, mais il m'en faut 3. Ok. Tiens, mais refouiller encore. Lui, il peut pas venir avec moi? Ah oui, c'est S pour engager, mince. Ok. Voilà. Ah, par contre, niveau stamina, c'est pas la folie. Hein. Tiens, fouillez-moi ça. Vous pouvez pas? Si, ça. Voilà, ok. Ok, là, ça fouille. C'est bien. Très bien. Là, on va leur demander de me construire ça. Ah, je prends quand même les ressources, hein, on sait jamais. Allez. Pourquoi ils veulent pas? Ah non, c'est W, pardon. C'est comme c'est pas en... Voilà, c'est bon, ça construit. Si on va par là, ça nous fait quoi? Ok. Il est épuisé, le pauvre. Vous pouvez pas fouiller les caisses, là? Qu'est-ce qu'ils font? Ok. Ah, là, par contre, ce serait bien de fouiller. Ouais. Il y a des rats, mais les rats, ils sont immenses, quoi. Vous pouvez affecter les membres de votre escouade au mur en les déployant jusqu'au drapeau. D'accord. Les techniciens et les habitants ont été affectés au mur et réparons si nécessaire. Ok.
Parfait, on est en sécurité derrière le mur. Maintenant, construisons une fabrique de pelles. La pelle est la meilleure amie du soldat. Normalement, c'est bon, j'en ai assez. Ok, c'est cool. Fais voir un peu le... Ah, mais c'est ça, le mur? Oh, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Reculez, on a besoin de moi à la base. Ok. On va le prendre, lui. Ce serait cool de... Alors, attends, si je leur demande de construire... Non, ils peuvent... Ah si, ils peuvent y être à deux. Ok. Ce serait pas mal de me fouiller ça. Alors, attends, non, c'est... Ah non, il veut pas fouiller. Alors, on voit à droite qu'il y aura plusieurs... personnages. On va voir ce que ça donne. L'univers... Mince, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de balles de toute façon. Hein. L'univers est quand même sympa. Un peu steampunk, post-apo. C'est assez original, j'aime bien. Je dois envoyer un ouvrier, ok. Vas-y. Donc là, il y va. Ok, il est derrière. Donc les excavateurs sont de puissants combattants de mêlée, ok. Vous pouvez mettre un excavateur contre le mur et protéger avec la pelle, ok, c'est pas mal. Ils n'ont pas leur pareil pour dégager les excroissances. Donc c'est quoi les excroissances, d'accord, c'est ça. Les excavateurs sont également de bons pilleurs et peuvent chasser des limaces, ok. Ah, je peux les transformer en excavateurs, ok, d'accord, en leur donnant une pelle. Mettez-vous au travail, écoutez les ordres, explorez les environs, tapez l'endroit et restez vivant. Ok. Je suis de retour, je vois que vous ne refusez pas un coup de main, je peux vous aider, vous apporterez de volontaires à la ferraille en échange de nourriture. Ok. Toi, tu vas venir avec moi. Ah, qu'est-ce que c'est ça? La technologie. Ramassez de la ferraille pour pouvoir retourner dans les tunnels pour la prochaine vague. Ok. Appuyez sur le bouton F pour réorganiser votre équipe. Ok, F. D'accord. Ah non, on va mettre la pelle devant. Alors W. W. Voilà, pillez-moi tout ça. On verra un peu ce que ça donne. Si je vais là-bas, ça fait quoi? Il faut être prudent dans les tunnels. Personne ne sait ce qu'on y trouvera. Ils m'attaquent ou pas, eux? J'ai l'impression qu'ils m'attaquent pas. Ouais. Ils restent dans leur coin. Alors attends, on va récupérer ça. Hop, ok. Allez, venez me voir. On va essayer de réparer. Là, il y a un truc. Tiens, réparez-moi ça. Fouillez-moi ça. Alors, attends, les excavateurs peuvent déblayer les décombres avec les pelles. Envoyez deux excavateurs, ok. Ça, c'est des décombres, il m'en faudra deux. Non, mais... J'ai l'impression que ça cherche à m'attaquer, mais que ça fait rien. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien parce qu'il a sa clope là, il est comme ça quand il respire, il a une clope sur le côté quoi. Parce que c'est un déglingo. Tiens, toi, hop, venez avec moi. Non, venez avec moi. Ouais. Je vais en mettre deux là. Un, deux. Ouais, un, deux, c'est fait. W pour non. Hop, fouille ça, s'il te plaît. Très bien. Là, ok. Ah, ah elle cherche à me... Elle me cherche quand même un peu, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas ce que ça va donner, là. Si je reste en dessous, non, ça m'attaque pas. Hein. Regarde. On peut pas sauter. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, ok, c'est les ordres. La brume s'épaissit. Cachons-nous derrière les murs. Ok. Alors, attends. Revenez avec moi. Voilà. On va rentrer à la casse-bas. Donc là, si je fais ça... Je les mets en défense ici, ok. Les barils incinérateurs aideront à trouver leur force, ok. Le commandant reprend également son souffle plus rapidement après un long sprint. Ah! Alors attends. Mince, j'ai tout pris. Mince. Alors attends, 1. 2, on va en mettre 2 en défense. Et là, ok. Ah, regardez, ma stamina elle remonte vite. Ah, c'est cool ça. Les survivants peuvent se cacher dans des salles. Alors attends. Lui, ok. Tiens, fouille ça, toi. Là, je peux lui parler. Non, je peux pas lui parler. On va vite faire tourner là-bas, quand même. Ouais, j'ai l'impression que... Ah, attends, mais il y a un mec derrière, là. T'as vu, il y a un cadavre.
bon. On va se restaurer. Nos murs sont faibles, je sais mec, mais... Faut que je te dise quoi. Oula, j'ai eu peur. Oh non! Until we die. De quoi? Attends. Ah, je me suis fait attaquer sur le côté. Jour de survie 1. Survivre pendant 11 jours pour... Ah, je me suis fait attaquer sur le côté. Ok, alors attends, on va profiter. Ici, je sais pas à quoi ça sert, c'est un wagon. Retourner en métro, oui. Ok, donc... On se fait attaquer aussi sur le côté, d'accord. Alors, est-ce pour passer le tutoriel là maintenant? Je sais. D'accord. Donc, il faut... Ah, ok, il faut... Oui, après, c'est logique. Moi, j'étais sûr qu'on allait se faire attaquer sur le côté. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on prend ça. Là, vous fouillez les barils. Non, payez, non. Là, tu fouilles. Et là, tu fouilles. Ok. Donc, le mur, on va essayer d'en mettre un là et un... Et un de l'autre côté, hein. Là, il m'en faut 3 pour réparer le générateur. Ok. Attends, ça, on récupère. 1, 2... Hop, 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 ok. On va attendre qu'ils aient fini. Ah, il a l'air quand même dur. C'est vrai que je suis pas allé sur ce côté-là. Il y a un petit drapeau ici. Bah oui, ouais, ok. Donc il faut vraiment que je défende. Vraiment que je défende des deux côtés, quoi. On va récupérer ça. On va leur dire de faire ça. Il y va ou pas? Ouais, il y va. Ok. Alors là, je peux payer pour 2. Ça ferait quoi? Ah oui, ça répare, c'est vrai. On va les prendre. Oui, oui. On va essayer de continuer. Faut vraiment... Alors, attends, est-ce que je peux mettre tout le monde? Ah oui, je peux mettre tout le monde pour que ça aille plus vite, j'ai l'impression. Alors, section de bonus pour... Alors, agitateur. Pour les deux prochains voyages, le marchand amène un adepte supplémentaire. Pour chaque habitation de 4e niveau, un vagabond viendra à la base. Réseau d'abri. Après avoir allumé le premier tonneau, un vagabond viendra à la base. Un tonneau actif augmente le plafond de population de 1. Le sol s'enflamme autour du tonneau, tandis que les mutants courent. Non, je préfère avoir plus de monde. Q. Hop. Donc là, on est bon, et normalement... Il fait quoi, là? Non. Si, c'est bon, le générateur, j'ai l'impression qu'il marche. Donc là, on va faire ça, on va faire ça. Et là, on va lui dire... Pour 3, normalement, ça va me réparer. Ouais, ok. Il faudrait... Ça, c'est quoi? C'est un mur qui me fait? Faut que je pense à faire un mur là-bas, à leur mettre une pelle. Et là, je pense que je vais pas me faire attaquer tout de suite. Je vais quand même aller voir vite fait là-bas. J'ai ma stamina galère. Ah non, la pelle est là. La pelle est là et on va construire... Ah oui, voilà. Donc le mur, il sera là. Si je fais W, j'ai personne, c'est ça? Ok. Alors, le gameplay est vachement sympa. Ça a l'air assez technique, ça m'intéresse bien. 14, donc là on a assez. Là, on peut leur dire de construire ça, ok. On va en prendre un. Qu'est-ce qu'ils me font? Ah oui, non, parce qu'il faut un gars avec une pelle. La brume s'épaissit, cachons-nous derrière les murs. Ok, des murs que je n'ai pas. Est-ce que... Pourquoi je peux pas construire ça? Qu'est-ce qu'il me fait, là? Pourquoi je peux pas... Il faut peut-être faire un mur. On va lui demander de faire un mur. On va juste espérer qu'il y ait personne qui m'attaque. Ce serait bien de faire un mur... Ah non, mais il y a un mur, là. Ok. Là, si je suis W, pourquoi ça marche pas? Ok, il me demande un gars. D'accord. Il demande un mec en plus... Là, lui fait quoi par exemple? Il est posté là? Ah ouais, j'ai l'impression qu'il est posté là lui en fait. Ok. Débutant, t'as aperçu à proximité du mur de gauche. Ok. Viens avec moi, venez tous avec moi. S'il y a des ennemis alentour ou si le héros a été blessé, celui-ci passe en mode danger quelques instants. Dans ce mode, vous ne pouvez pas interagir avec les objets ni affecter. Ok. Donc là, j'ai juste normalement à lui tirer dessus. Ok. Bon, ça va. Réparer. Qu'est-ce qu'il fait? Il va où? Ah, ça y répare. Ok. Donc, répare. Toi, tu fais ça. Donc, c'est bien. Ils préviennent. Ok. Donc, ça va. Je pense que je vais réussir à passer la première nuit.
Ah, il m'amène deux gars, donc ça me va. Je suis de retour. Ramasser de la ferraille. Oui, je sais. Venez avec moi. Là, tu peux fouiller ça ou pas? Ouais. L'autre, il joue de la guitare, tout va bien. Ça, c'est pour la recherche, on verra plus tard. Ça, oula. Oh, j'ai plein de trucs. Vas-y, je prends tout le monde. Il faut que je mette un gars à l'appel, mais j'ai pas assez de... Je vais regarder. J'ai juste regardé un truc. Ah si, je pense que j'aurai assez. Ah, il m'en faut un. Ah si, j'en ai là. Yes. Tac, voilà, répare-moi ça, comme ça j'ai des gars avec des pelles. Lui, il est sur ce mur-là, il est pas mal. On lui donnera une pelle pour qu'il défende ici. Ouais, ok, on va faire ça. Ah, là j'ai un mec en plus. Donc là, fouille ici. Ok. Lui, on va laisser en... Les survivants peuvent se cacher dans les salles, ok. Nous, on va laisser en défense là. Qu'est-ce qu'il veut, lui? C'est quoi, ça? Je sais pas trop ce que c'est. Ça, on s'en fiche. Ça, pour le moment, on s'en fout. Là, on va en laisser un, voilà. D'accord, ok, c'est ces ressources-là. Très bien. Là c'est quoi, là? C'est peut-être pour ma stamina. Qu'est-ce que c'est, là, si je fais W, que je le mets là, lui? Alors, les techniciens sont d'un soutien inestimable. Ils peuvent étudier les technologies en laboratoire et ouvrir des accès, ok. Les techniciens déployés près des murs répareront... Ah, intéressant. Les techniciens peuvent également construire tous les types de structures de murs du jeu. Ok. Donc là, ça me fait faire des techniciens. Ok. Ah ouais, alors du coup, il me faut un gars en plus, quoi. Donc là, j'ai un constructeur. Donc, toi, on va te payer. Comme ça, tu te casses et tu reviendras plus tard. Ah, s'il y en a un, là. Tiens, viens avec moi, toi. Est-ce qu'on en fait... Tiens, lui, on va le prendre aussi, Cyril. On va en faire un technicien. Je pense que c'est pas mal parce qu'il répare les murs. Donc ça peut être intéressant. Là, c'est quoi, là, W? Attends, je vais le faire après. Un. Hop, donc toi, tu vas là. Non. Viens avec moi. C'est quoi pour changer? Ah oui, c'est F. Donc toi, reste là-dedans, s'il te plaît. Ok, il reste là. Lui, il fait son truc. Ça, W, il me faut un mec en plus. On va peut-être garder les deux là. Ça m'en fait un en plus. On va le laisser là. En fait, j'ai essayé de calculer de... Mais après, j'aurai des mecs en plus. Donc, normalement, ça devrait le faire. Le jour, on est bon. Est-ce que je regarde la vidéo? On a 17 minutes, c'est pas mal. Ça, c'est quoi déjà? J'ai personne. Attends. On va le récupérer, lui. Ça, c'est quoi? C'est un mur, c'est ça? Je crois que c'est un mur. Hein. Si c'est un mur, on va le récupérer, lui. Hop. Non, hop. Viens avec moi. Et on va te mettre là-bas. On va te mettre là-bas, on peut peut-être même te dire, voilà, fais ça, le temps que lui répare, et puis celui qui construit le mur, il ira là-bas. Donc là, on était au fameux endroit où on était tout à l'heure. J'aurais bien aimé avoir un feu de camp. Ok, donc là, le mur est fait. Donc toi, tu te mets à ce mur-là, ok. Toi, tu viens avec, mince, toi, tu viens avec moi, parce que j'ai besoin de ferraille, ce serait pas mal. J'ai eu peur. Le jour va bientôt se terminer, on va juste attendre qu'il chope un peu de ferraille. Ça c'est quoi? Est-ce que c'est ça le... Ah non, c'est celui-là. Alors attends, on va le récupérer, lui. Voilà, fais-moi ça s'il te plaît. Ok, on le récupère et on le pose là. D'accord. Non, récupère. Ici, voilà, dors là, voilà. Enfin dors là, mets-toi. Là j'ai un peu de ferraille, j'en ai 14, on va dire que ça suffit. Là, on peut se restaurer plus vite. Ça, c'est cool. Ça, c'est bien, ça. Toi, t'es ici. C'est pas trop mal. J'ai entendu un truc, là. Ah, mais du coup, alors, attends. Toi, t'es ici. Je vous ai trouvé des volontaires un peu maigrichons. Ok, donc toi, t'es là. On est bien. Donc, je vais pouvoir faire les pelles. Ici. Hop. Là, je prends les deux volontaires. Lui, on le met là. Des mutants ont un perso à gauche. Ok, vite. Vite, 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 vite. Ok.
Ok, et là il répare, vous voyez, il répare automatiquement. Ça c'est cool ça. Ça c'est bien, c'est franchement pratique. Ce serait peut-être bien de mettre un gars à la recherche, non? Ah, il faut que ce soit un gars. Alors attends, on va le prendre lui. Là on en met un. Et le mec à la recherche, on va le mettre ici. Hop, voilà. Toi tu recherches, comme ça on verra ce que ça donne la recherche. Là, ça me fait des pelles. Peut-être un mec avec une pelle qu'on mettra en défense là-bas. Tiens, regarde, on va faire ça. Toi, on le prend et on met le mec avec la pelle. Ah, quoique, non, on va garder le mec avec la pelle. Non, on va garder le mec avec la pelle. On va mettre ça comme ça. Je pense qu'il va déblayer plus vite en fait. Hop. 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 Hop, désolé, petite pause. Alors attends, toi tu vas fouiller lui, d'accord? C'est un cadavre. Hein. C'est un cadavre, mais tout va bien. J'aurais bien aimé mettre deux ingénieurs. Ah ok, il m'a trouvé ça. J'aurais bien aimé, est-ce que là lui il est là? On va le récupérer, on va au moins mettre un gars avec une pelle. Voilà. Là on va se restaurer vite fait. Ok. Donc lui il sert du coup à rien, enfin pas à rien, mais. Là, il me fait une pelle, mais j'aurais bien aimé faire un autre ingénieur. Là, on va le payer. Comme ça, il reviendra. Là, ça. Alors là, ça recherche, mais je sais pas trop. Attends, si je fais échappe, non. Ok, j'ai quand même 28 jours à survivre, hein. Je trouve ça énorme. Là, c'est quoi? Vas-y, je peux le faire. Ah non, il faut un ouvrier. Là, je peux en avoir un ou pas? Non, je peux pas. Non, c'est pas encore le cas. Ok. Bon, là, on aurait pu mettre deux gars avec une pelle. Je vais voir si je peux. Ouais, les allers-retours à faire quand même. Hein. Voilà, ok, donc là. On met au moins deux gars avec une pelle aux entrées. Comme ça, on va dire qu'ils se font un peu plus de dégâts. Ok. Je vais aller me remettre un peu de stamina. Vite fait, mais je galère. Ok, donc là voilà, au moins j'ai deux gars avec une pelle. Je me suis fait attaquer deux fois à gauche. Je pense que je vais me faire attaquer de ce côté-là. C'est quoi ça? Ces excroissances sont des tentacules. Non, sont très tenaces, n'importe quoi. Elles peuvent détruire avec des à l'aide de pelles ou de feu. Hein? Alors attends, tiens, toi déjà, hop, tu vas là. Toi on te récupère. Hop, là on le met lui. On récupère le gars avec la pelle. Oula, quoi? Ah oui, d'accord. Pourquoi il me... Ok. Bon, il fait son boulot, c'est bien. Je sais pas pourquoi j'avais le 1. Ouais, c'est bizarre, mais... Pourtant, je suis pas attaqué. Ouais, c'est étrange. Ouais, je sais pas. Et là, j'ai beau tirer, ça fait rien. Ok, le mec avec la pelle, il va bien. Ah, tiens, toi, viens avec moi. Viens avec moi, toi. Non. Allez, voilà. Là, je peux pas, ok. Là, je peux pas non plus. Là, c'est que des champignons, hein. C'est pour manger. Est-ce que tu peux? Non, je peux pas. Faut un mec avec la pelle. J'ai bien un gars là ou pas? Oui, hein, j'ai bien un gars. Est-ce que je fais un deuxième mec avec une pelle? Ce serait quand même pas mal. C'est peut-être pas trop mal. On va se restaurer vite fait. Alors, en détruisant une excroissance, les hôtes évolueront plus rapidement en endommageant les œufs supplémentaires. Les créatures proviennent des œufs qui explosent la nuit. Ok. Qui éclosent la nuit, d'accord. Lors de la vague finale, toutes les excroissances vont éclater et générer un grand nombre de mutants. Ok. D'accord. Donc là. D'accord, bon, faudra juste espérer. Alors attends, on va récupérer lui. On va mettre la pelle. Okay, je crois que j'ai entendu. Je vous ai trouvé un volontaire. Et à vous. Ok, merci. Ça, c'est cool. J'aurais bien aimé avoir un deuxième ingénieur. Ça pelle. On peut se faire un mec avec une pelle. Ah non, pas encore. Ok. Là, hop. Fouillez-moi ça. Toi, tu viens avec moi. Là, ça fait rien pour le moment. Ah non, ça, il me faut un ingénieur. Là, normalement, voilà. Deuxième ingénieur. Là, W, ça me fait quoi? Ah, ça enlève.
Ah, regardez, là, hop, j'appuie. Hop, il s'enlève. Ok. D'accord, très bien. Ça, c'est assez intéressant pour le coup. La proximité du mur de gauche. Ok, gauche. Merde. Ok, on est bon. Ah non, on n'est pas bon. Ok, c'est fini ou pas? Ah, ça m'a l'air d'être fini. Ça m'a l'air d'être fini. Alors pourquoi il me fallait un... Pourquoi il me fallait... Alors ça c'est pour leur enlever d'un truc, ok. Il me fallait un ingénieur pour quelque chose. Tiens, viens avec moi toi. Après il me faut encore de la bouffe. Il me semblait qu'il me fallait un ingénieur, non? Bon, on va quand même aller faire un tour à gauche. Parce que j'ai l'impression qu'ils viennent souvent de la gauche. Donc peut-être s'exporter à gauche. En tout cas se renforcer à gauche, c'est pas mal. Alors, technologie apprise, les excavateurs rassemblent des provisions plus rapidement. Ah, ça c'est cool. Ça c'est bien ça. Alors, hop, on va le prendre. Et on va lui dire, voilà, toi, tu utilises quand même ça. On va peut-être prendre un mec. Alors attends, on va récupérer lui, on va mettre l'ingénieur, comme ça il répare. Là ici, peut-être pas le mec avec la pelle, mais ça. Ça pour la pelle. Et ça là, ok. Et là... Ok, donc ça il me faudra un gars avec une pelle. Ok, je suis à combien de vidéos? Je suis à 26 minutes, on est pas mal. C'est vrai que ça aurait été cool quand même de se construire un endroit où ici je peux me restaurer un peu. Et survivant, parce que oui, je sais, tu l'as déjà dit. Tu vas où toi? Non, viens avec moi. Avec moi? Merde. Il voulait pas venir. Ok, jour 4. Très bien. Là, non, ça me dit rien. Pourquoi je peux pas? Je sais pas. On peut leur dire d'aller tous là. Non, il faut la pelle. Là, tiens. Mettez-vous tous les deux là. Là, ça aurait été bien aussi de mettre quelqu'un d'autre. Putain, lui avec sa pelle, il met du temps, hein. Ah, mais il y a un autre truc ici, peut-être, non? Je sais pas. Est-ce qu'il est revenu, Bob, là? Non, je crois pas. Ah, si, il est revenu. Est-ce que je peux le payer? Ouais, je peux le payer. Ok. Là, j'ai toujours pas de clé. On peut gérer ça. Là, normalement, il me rejoint, non? Rejoins-moi. Continue à fouiller ça. Ah, on peut réparer un truc là. Allez, venez avec moi. On peut réparer, on peut construire un truc. Et si j'en mets plein, ça fait quoi? Je peux en mettre plein ou pas? Ah non, mince, c'est W. Allez. Ok. On va peut-être attendre un peu. Quoique. Là, le jour. Allez, on va le poser là vite fait. Juste le temps qu'il bosse. Là, vous m'avez mis quoi, là? Ah, un autre mur, ok. Ah, il va automatiquement, vous avez vu, il est allé automatiquement ici, lui, ok. Donc là, vous me construisez ça, on va peut-être mettre les deux là. Oui, donc quand il y a un mur plus éloigné, il y va automatiquement. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, j'aurais bien aimé pouvoir me... Je vais un peu loin pour voir, mais... Ok, je pouvais me les faire. Mec, il tire dans le vide, hein. C'est du putain de gros bois. Hein. Tiens, toi, viens avec moi. Non, c'est S. À chaque fois, je fais W, mais c'est S. Mince, pourquoi j'ai pris tout le monde? On va mettre un ingénieur ici. Ça, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est une maison en fait. Ok. Ouais, c'est simplement une maison, j'ai l'impression. D'accord. Là on n'est pas bon. On va essayer de se mettre une pelle sur un dégât. Ce serait cool. Il y en a une en plus. Hop. Voilà, très bien. On va juste aller faire un petit tour là, voir si tout va bien. Tout va bien. Il y a un gars avec une pelle, ok. On va peut-être... Voilà, on les a mis tous. On va se restaurer. Ah, c'est technique, on en est que au jour 4. Ouais. 28, ça va être long, hein. Ils sont venus avec moi ou pas?
Allez, venez. Ah, mais ça les a tous pris. Oh. Un gars avec la pelle ici, s'il vous plaît. Ok. Là, ça aurait été cool de réussir à voir ça. Dis-moi, t'en as pensé à peu près. Oh, mais gauche encore. Oh, la loose. Vite, 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 vite. Restaure-toi un peu. Vite, 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 vite. Cours. Toi, viens avec moi. Oh, il est tellement loin, le mur de gauche. Restore. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais viens avec moi. Allez, on construit un autre mur. Oula. Merde. Ok. Ça va. Ouais, il a réparé, mais pas tant que ça. Hein. Je pense qu'il vaut mieux mettre un gars avec une pelle, regarde. Ouais, il vaut mieux mettre un mec avec une pelle qu'un ingénieur. Allez, on construit. On mettra un gars avec une pelle. Je pense que l'ingénieur va me servir à autre chose. Ce que vous avez vu, il donne des bons coups de tatane avec sa pelle. Hein. Je sais pas où aller, à gauche, à droite. Mais je pense qu'à droite, il y avait plus de... Après, j'ai mis du temps à revenir. Oh, ah, vous pouvez maintenant construire des murs plus solides. Ah, c'est cool. Et là... Ah, ok, d'accord. Donc, en développant... Alors attends, si je peux faire ça... Est-ce que lui il va plus vite par exemple? Ouais, je pense qu'il va plus vite. Il a l'air d'aller plus vite. L'autre ingénieur là, il doit plus rien foutre. Il est où? Ouais, il est là. Bon, on va le prendre avec moi. Est-ce que j'ai pas assez de technologie? Si, il y va ou pas? Ah non, il y va pas. Non, on va juste faire un mur renforcé ici et un là-bas. Hein. Je pense que ça va suffire. Ça aurait été pas mal de hop, mettre un gars au moins là. Est-ce que j'ai un mec avec une pelle? Non, pas pour le moment. Si, là il y en a un. Tac. Toi tu te mets là. On récupère un petit peu à manger. Et on va aller hop, l'autre mur là-bas. Donc ça c'est cool, on a un bon mur ici. Là on peut avoir un ingénieur. On va peut-être attendre. On va attendre. Est-ce que je peux le payer? Alors attends, W, hop. Un mec avec une pelle en plus, ce serait cool. C'est quel mur? Ah non, c'est le mur là-bas. On va choisir un ingénieur. Et on va upgrade. Non, c'est là, hop, upgrade. Ok. Là, vous me déblayez ça. Ça aurait été cool de déblayer un peu plus loin. Ah non, lui, il faut une pelle. On va attendre qu'il y ait un gars avec une pelle qui se libère. Ah bah c'est lui d'ailleurs. On va les prendre. On va les prendre, on mettra un mec avec une pelle. Là on va le... On va lui dire de déblayer ça. Hop, ok. Pourquoi tu déblayes pas? Ah si, c'est bon. On va aller mettre ici donc Bob avec une pelle. Très bien. On va se restaurer un peu plus vite. Ça va, j'ai deux ingénieurs là, c'est cool. On va voir ce que ça donne là-bas. C'est deux ingénieurs qui protègent les murs, je trouve que c'est pas mal. Je pense que ça va suffire, enfin j'espère. Tiens, viens avec moi toi. Hop, ouvre ça. C'est à ce qu'ils peuvent le démolir ça? Non, il faut forcément un mec avec une pelle, ok. Ah ouais, donc ça met quand même un peu de temps. Hein. Ça met quand même un peu de temps. Oh là, on est déjà à 33 minutes de vidéo. Écoutez, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à vous abonner. Salut, ciao.